Hey, what's up les gars, ça fait que j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille, les amis, les cousins et que tout le monde, est en putain de forme, frérot, pour ma part, ça va super bien, j'ai plutôt bien dormi, là, ouais, je te fais ça au réveil, il est midi, voilà, je suis encore en vacances, moi, donc je suis plutôt bien, les frérots, enfin, quoique, c'est le week-end pour vous, là, bon, je fais ce commentaire là, donc, je pense que vous êtes également plutôt serein, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé et que vous êtes prêts tout simplement pour cette nouvelle vidéo de moi-même. Donc en fond, pardon, vous avez un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 et c'est tout simplement Ghost qui va nous réaliser une triple nucléaire à la Razorback. Donc il est sur la map Combine et il va nous réaliser une petite nucléaire plutôt sympatoche. Trois petites nucléaires, excusez-moi, avec un camouflage plutôt un peu brillant, tu vois ce que je veux dire. Non et voilà, il va nous réaliser une superbe triple nucléaire, donc les score strikes c'est les mêmes, atouts je sais pas, et je pense qu'on s'en fout un peu maintenant, arrivé à un certain stade du jeu. Enfin, vous s'en foutez un peu, je pense qu'il vous intéresse plus, c'est vraiment la performance en elle-même et surtout le commentary. C'est pour ça que je suis là, tout simplement pour vous donner, comment dire, de l'importance, et tout simplement que voilà, que vous trouviez la vidéo intéressante, que vous interagissiez avec moi. Donc aujourd'hui les gars, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, c'est le troisième épisode du Call of Duty Versus Real Life. Tout simplement aujourd'hui on va aborder ensemble les différents tactiques, équipements, en fait les équipements en globalité, c'est-à-dire bah, les grenades et les tactiques qui ont été utilisées sur Call of Duty Black Ops 3 et bah, leur ressemblance tout simplement dans la vraie vie. Donc on va tout de suite aborder, vous verrez des images qui apparaîtront durant tout le gameplay, voilà, histoire de vous vraiment bien vous présenter les similitudes, etc. qu'il y a entre les différentes choses, différents équipements tout simplement. Donc d'abord la grenade frag qu'on avait donc sur Call of Duty Black Ops 3, la grenade frag c'est la grenade normalement qui est utilisée encore aujourd'hui dans beaucoup de temps de guerre, et voilà, qui tout simplement la base entre guillemets des équipements dans la vraie vie. Donc la grenade frag en 2 secondes, c'est que l'effet reste inchangé. La grenade peut être cookée, c'est à dire donc elle peut être timée après qu'elle a été dégoupillée. En gros vous n'êtes pas obligé de jeter la grenade directement, parce que si vous la jetez directement, l'ennemi en face a le temps de voir qu'il y a une grenade à côté de lui ou pas loin, et il a peut-être le temps de s'enfuir également. Alors que si vous dégoupillez d'accord la grenade et que vous l'envoyez sur un point précis directement, celle-ci explosera avant même que l'ennemi ne s'en rende compte tout simplement. Et donc c'est plutôt important, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'était la première chose, grenade frag. Donc voilà, par rapport à la vraie vie, bah, c'est à peu près bien résumé. Grenade Semtex, c'est dans le même style, sauf que là c'est une grenade collante qui existe également. Une grenade collante, c'est une grenade, si vous voulez, qui se colle à une surface, qui peut également se coller à l'être humain, comme on le voit sur Call of Duty. Et celle-ci, il y a un petit décompte, pareil, mais le décompte est plus court. J'ai l'impression que si vous découpillez une grenade au départ, le décompte de la Semtex est beaucoup plus court. Et en gros, bah voilà, c'est les mêmes propriétés, elle a les mêmes, selon moi, les mêmes dégâts. Et puis voilà, elle s'accroche à la surface à laquelle elle tombe, tout simplement. C'est comme une petite bombe, toute petite bombe à retardement, tu vois. En bref, c'est ça. Troisième équipement, troisième grenade, entre guillemets, c'est la grenade thermite. Alors cette grenade-là, elle a fait son apparition donc dans Call of Duty Black Ops 3. Et cette grenade, c'est un cocktail Molotov, en gros. Comment dire, au contact de la surface, elle touche, c'est la surface qu'elle touche, en gros, je sais pas moi, tu poses une grenade thermite sur le sol, elle va répandre les flammes, donc là où tu l'as envoyé, elle va répandre les flammes tout simplement dans une zone, dans un rayon de quelques mètres, et au moment où t'es touché, bah tu prends le feu naturellement, parce que bah voilà, t'es pas un mec qui peut pas prendre feu quand t'as la flamme qui est sur toi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en gros, bah, c'est une grenade où il y a du feu qui se répand autour de soi, qui existe également, en vrai, comme tous les équipements que je vais vous présenter dans tous les cas. Mais ça permet d'avoir une petite visualisation, entre guillemets, des équipements en Call of Duty, des équipements en vrai. C'est pour ça que je trouve cette série super sympa. Je sais pas vous, mais moi, je la kiffe, tu vois. Quatrième équipement, le C4. Très, très connu, le C4. Même si dans Call of Duty Black Ops 3, à la différence de Call of Duty Black Ops 2, il n'y a pas le double carré ou le double X pour le joueur Xbox, en l'occurrence tu envoies ton C4 en l'air et tu le fais péter en appuyant rapidement sur double X. Là c'est en gros tu peux pas faire le double tap, il faut laisser exploser le C4. En gros c'est comment dire, tu peux le faire exploser mais il faut pas qu'il touche le sol à l'avant quoi. T'es obligé de faire en sorte que le C4 touche le sol, voilà, ce sera plus français. Et voilà, donc c'était différent Black Ops 2, mais de ce que j'ai compris, d'après les différents gameplays qu'on a pu avoir sur Infinite Warfare, le double taps est de retour donc sur celui-ci, et bah ce sera plutôt sympa, mais je pense que le C4 ça va encore faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts les frérots. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être encore un vrai bordel quoi.
On a ensuite la tryptamine. Alors la tryptamine, qu'est-ce que c'est? C'est comme les Betty, en gros, les Betty qu'on avait dans World at War, pour ceux qui ont joué. C'est en gros, elle s'arme sur le sol et elle cause des dégâts et des dégâts. Elle s'arme sur le sol, en fait, tu lui enclenches. Et puis celle-ci va voler et puis t'exploser à la gueule, quoi. En gros, c'est ça. Et ça existe également en vrai, hein. C'est comme des mines. Les mines, ça a toujours existé depuis très 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 longtemps. Déjà à la Première Guerre mondiale, elles étaient utilisées. Et donc voilà, c'est pas une nouveauté. Maintenant voilà, ça a vraiment de grosses ressemblances pour ceux qui voient pas trop avec la Betty bondissante qui était dans Call of Duty World at War. Voilà pour la triple mini. Enfin, le dernier équipement, alors celui-là c'est le plus basique, le plus simple, c'est le tomahawk ou le couteau de lancer. C'est à peu près pareil, sauf que le tomahawk c'est une petite hache, à la différence du couteau de lancer qui porte bien son nom étant donné que c'est un couteau, voilà. Et donc le tomahawk, c'est une arme de lancer qui peut être, comment dire, déviée par toutes les parois de la map. En gros, si vous voulez, ce tomahawk là, tu vois, tu vas le faire rebondir sur un mur, tu peux très bien l'envoyer sur un mur et qu'il fasse donc ce ricochet et qu'il aille ensuite sur un ennemi. Il va pas se coller dans le mur comme il faisait dans Call of Duty Black Ops 1. Black Ops 1, en fait, t'envoyais le tomahawk et puis le tomahawk restait dans le mur. Alors que là, en fait, il fait des ricochets. Donc, c'est pas plus mal. Ça reste sympa. Bref, voilà. Ça, c'était donc pour les killstreaks, les killstreaks, les équipements létals, entre guillemets. Donc là, on va passer aux équipements tacticaux. Là, on a également, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 équipements qui sont tactiques. Donc, il y a beaucoup de basiques, hein, vous allez le voir par vous-même de toute façon. On a d'abord les grenades paralysantes, donc là, t'étais paralysé tout simplement. En fait, t'as du mal à voir, etc. Qui existent également en vrai. Les grenades flash, qui sont des grenades qui t'aveuglent complètement. Donc là, tu ne vois absolument rien. Les grenades EMP, qui sont une capacité avancée des avatars. Sur mon attendement en service, donc là c'est comme une petite grenade IEM entre guillemets. C'est en gros toutes tes techniques sont toutes tes capacités entre guillemets, tout ton matos que tu as avec toi, je sais pas, le viseur laser, etc. Tout ça en fait t'es enlevé pendant un laps de temps parce que c'est le but de la grenade tout simplement. Grenade fumigène très très connue également dans la vraie vie. Tous les équipements que je vous montre là existent, mais je vais vous faire des paradoxes, vous verrez de toute façon, vous l'avez vu avec les différentes images proposées. Mais mais il y en a des plus connus que d'autres, dont la grenade fumigène. Ah, la grenade fumigène, ça propage un énorme écran de fumée. Moi, je sais combien de fois je me tapais des barres avec des potes en envoyant des fumigènes de partout avec les boucliers anti-émeutes et des conneries comme ça sur MW2. Ça rappelle des anciens souvenirs, mais... Oh, on se tapait des barres à l'époque, on se tapait les barres, mais voilà, avec les grenades fumigènes, c'est vraiment un mythe pour moi. Et puis voilà, donc pour ceux qui y voient pas, mais vous devez sûrement jouer à Black Ops 3, ça, voilà, c'est un très très gros nuage de fumée, tu peux te cacher dedans et c'est archi cool. Trophy système ou système trophy, là, très bien connu, très très connu également, et ça existe également en vrai. Le système trophy, en gros, c'est ce qui vous permet de vous protéger des équipements ennemis, que ce soit tactique ou du létal. Voilà, vous êtes protégé contre ces équipements lorsque vous posez celui-ci sur le sol. On a le choc char, donc le bâton électrique, etc., comme les charges électriques. Et pour finir, le black hat qui permet de pirater les équipements et les score strikes. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis ça existe également en vrai. Donc voilà, en fait, le Call of Duty, réellement... C'est vraiment adapté aux équipements de la vraie vie tout simplement. Et puis, ce qui fait qu'en fait on a de la diversité dans les équipements, ça c'est sûr, mais on a surtout une démonstration entre guillemets des vrais équipements, ce qui fait que dans la vraie vie la vraie guerre, ces équipements sont beaucoup utilisés. Après, Call of Duty ne sera jamais une référence en termes de démonstration de la vraie guerre, parce que voilà, quand on meurt on revit pas, tu vois, mais voilà, par rapport aux équipements, c'est vrai qu'il y a vraiment de grosses ressemblances et je trouve ça plutôt sympa. Ça nous met un peu plus entre guillemets dans le délire, et puis ouais, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt, je sais pas, moi je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas comment tu trouves ça, mais voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Toi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, frérot, en tout cas, j'espère que ce petit épisode de Call of Duty vs Real Life vous aura fait plaisir. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie, c'était Alphax, à la prochaine. Ciao, 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 bye!